Oh, passons à Ferun. Collection. Monstre. 22, 26 items. 34 monstres, ok. Bien, fort bien. Bonjour, je suis l'ancien codex. Est-ce que je pourrais vous dévouer un petit travail pour moi? D'abord, bienvenue d'en faire une. Mon illusion est réalité. Trois esprits iconiques ont scellé autrefois un esprit démoniaque au centre de ce domaine. Mais un jour, les icônes ont disparu et d'étranges événements ont commencé à apparaître. Et en un clin d'œil, notre monde a été dirigé par des monstres. C'était assez dangereux dernièrement, avec les monstres et autres qui se blâment un peu partout. Mais ne vous inquiétez pas, c'est un peu l'habitude dans ces recoins. Ça arrive tous les quelques siècles. Alors, cela étant dit, ô élu, cherchez les trois icônes manquantes et scellez la menace une bonne fois pour toutes. Est-ce que je peux compter sur vous? Même les monstres ne vont pas me laisser les filles en robe mignonne. Prenons un peu de temps pour explorer les recoins. Les monstres ne vont pas m'arrêter. Ok. Ok. Oh, je vois. Vous aurez besoin de petits morceaux de mana pour récupérer votre barre de vie. Et il y en a un distance, ça pourrait être. Un bout de mana. Ok, ok. Oh oui, ils font vraiment pas mal vite. Besoin de quelque chose pour pousser cela. Et si tu utilises de bout de mana dans une localisation suspecte, eh ben, il y a un morceau de gazon étrange. J'ai oublié de dire, quand vous voulez arrêter, pensez à appuyer sur le bouton pour sauvegarder votre opération. Si vous essayez de... Oh, je ne peux même pas supporter de dire ce qui pourrait arriver. Je peux être même pas sûr de comment sauvegarder ça. Ça ne va pas marcher ici. Est-ce qu'il est ici? On peut quand même descendre. Hein. On a besoin d'une lanterne pour se redresser. Bien, fort bien. C'est sûrement à gauche qu'il faut aller pour récupérer les. Le reste. Une gemme rouge. Ah, c'est ici.
J'avais l'espérance. Maintenant, vous êtes prêts à combattre. Je veux dire... Comptez les monstres en marchant dedans. Les adversaires faibles vont mourir instantanément, mais ne vont pas donner d'expérience. La serre est bien trop forte pour vous. Aucun effort ne va le faire tomber. Je suggère de... d'affronter les adversaires à votre niveau. De toute manière, c'est tout l'essentiel. Pour les infos sur les monstres suggérés, remets-moi de nouveau. Bonne chasse! Ok, ok. Bon, comment je récupère de la vie du coup? Pas ça du coup. Ok, donc ça c'est pour récupérer de la vie, donc on peut éliminer par là. Donc ça c'est encore un peu loin. Gemmo, je pourrais être utilisé pour autre chose derrière. Se sonner vite fait et avancer un peu dans le level. Il va sûrement y avoir un spot apprécié pour cela. Donc là c'est spot d'effet. C'est pour accéder côté par ici. Il y avait cette zone. Toujours pas assez de... dans ce coin-là. Alors par contre, j'aurais un petit souci si je peux pas revenir. On va avoir un petit problème là-dedans. Regardez. Dans ce monde, il y a pas de grosses pénalités en mourant. Par contre, on devrait faire un petit peu de backtrack. Ah, ça va encore. Ok. Attends, monter au... level 2 comme ça on est bon. Mais par contre ça veut dire que le l'autre passage va être débloqué. Ouais. Et maintenant ça les font plus. Ils vont faire que 2 dégâts. Ouais, donc il faut quand même choisir judicieusement ses adversaires. J'aime par là. Bon, c'est qu'une seule gemme pour se soigner, ça va pas être super. Ok. Bon, c'est pas si grave que ça, mais ouais, le reste ça va être compliqué si ça dépend entièrement de ça. Alors après, est-ce que ça dépend de la dernière chaîne que j'aurais vue? Moi, je sais pas trop où aller du coup.
l'air d'y avoir d'armes vraiment derrière. Sûrement grader un petit peu. Ok. Ça peut me permettre d'accéder à une zone sans danger, c'est sympa. Ouais, je pense pas. Ok. Ouais, faut sûrement commenter un peu de level pour ça. Normalement, on peut se balader avec. Au niveau des champignons, ça va monter assez rapidement. Mais c'est vrai que c'est un peu costaud, hein, les adversaires ici. En tout cas, tant que ça me enlève pas mon level, ça devrait aller. Ok, donc. Ah, mais du coup, il faut peut-être aller plus du côté des guêpes. Non, ce n'est pas la bonne direction, allez. Bon, bien. Donc la grotte était le bon endroit. Moi, ça me fait découvrir une petite pièce en plus derrière. Ici. Alors ici on n'a pas de lumière pour s'éclairer. C'est juste ce temple, ouais, donc on n'a pas plus d'indices à part le reste. Donc à ce niveau, ouais, c'est juste les champignons qui vont nous avoir en termes de dégâts. Rien d'autre derrière. Ok. Ouais, donc cela il va. C'est très dangereux. Ça me permettra de poser les petits rochers dans le coin. Oups. Et on va pouvoir monter de level bientôt. Parfait. Du coup. On remonte en haut à gauche du coup. Je n'ai pas le feu. Ah. On peut accéder au guet par contre. Donc s'ils font. S'ils ne font plus de dégâts, c'est pas bon.
zone de restauration. Par contre, il n'y en a pas grand chose de plus de ce côté. Ah d'accord, on loupe dans... autour du monde. Ok. Ok, donc c'est pas utilisé pour ces rochers là. Ok, c'est comme ça qu'on débloque par contre les autres. Ils sont encore au moins un level au-dessus. Ouais, c'est pas pour tout de suite. C'est pas le meilleur spawn du monde. Il faut au moins le level 5 pour pouvoir passer. Est-ce qu'on a une zone safe dans le coin? On a la zone dans le dessous, mais après... Ah, dans le pire des cas, je peux remonter après. Puis ici du coup que le piège va être utilisé. De l'huile. Ah donc il me faut le... Il me faut juste un moyen de pouvoir allumer un petit feu et puis on est correct. Je crois qu'à ce niveau, il y a juste ces arbres qui peuvent me faire du dégât un peu. Ah, c'est carrément un gisement qu'on trouve. Ok. Qu'est-ce qu'on aurait ici après? Faut juste level up à la limite pour traverser les slimes et c'est tout. Alors même les arbres, ils font plus de dégâts là-dedans. Est-ce que du coup ce serait un monde par, parfait? Est-ce que s'il y aura quelques petites différences? Là, c'était juste pour le switch. La seule différence c'est que lui il avait pas de tronc derrière. Et je pense pas qu'il y en ait d'autres qui soient dans cet état là. Donc juste finir le level et puis on sera bon pour avancer. Alors où est-ce qu'on récupère cette autre gemme? Sympa qu'il y ait de chemin par ici. Bon, autant aller descendre dans la grotte et puis continuer. C'est d'ailleurs un truc que j'aurais pu louper. On doit les avoir derrière. Ok, les slimes sont bons. Non, toujours pas bon encore. Level 5, c'est pas encore le level des slimes.
Alors ici j'ai pas vu ce qu'il y avait. Mais là on avait la pioche. On peut essayer. Ah, c'est là, d'accord. On peut éliminer cela maintenant. Est-ce qui veut dire que du coup, je peux pas vraiment avancer de l'autre côté? Ah, c'est là. Mais c'est vrai qu'on avait la. La plante ici. Juste au moins avancer level 6, comme ça je peux récupérer l'autre gemme. Après, il n'y a pas grand chose de plus à récupérer. Ok. Donc maintenant on devrait pouvoir récupérer les slimes. Potentiellement récupérer plus de gemmes au passage. Ouais, c'est ça. Ah, on n'a pas encore assez. Il faudrait être level 7 pour tout faire. Ok. Bon, ça faisait un bout de temps. Encore assez pour aller là-haut. Oui, c'est vrai qu'on est. Même qu'on fasse le tour. Ouais, donc sans débloquer 2-3 raccourcis, c'est plutôt compliqué. Hein. Y'a rien par ici. Si on trouve les gemmes vertes, peut-être. Ouais, 3 gemmes rouges, 3 gemmes vertes, c'est pour ça. Oui, c'est là pour monter. Maintenant, faut qu'on dégomme les bulles roses. Alors ça devrait être assez, je pense, pour dégommer le reste. Ouais, ça devrait suffire. Ça donne une dizaine de slime, mais ça nous rapporte un peu plus. Et puis on a un backup dans le cas où. Non, dommage. Ok, un de plus. On n'est pas super là. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. On est tranquille. Vers moitié moins de vie. On est plutôt bon. Donc c'est à dire que pour récupérer cette gemme là, ouais, au moins level 7. Ok. Donc plus qu'à récupérer la dernière gemme. Alors, comment
Faire le reste. Doute que l'huile serve pour cela. Ouais. Quelque chose. Ah oui, d'accord, ça c'est pour dire quels sont les monstres à prendre pour les PV. Ok, donc maintenant qu'on a les 3 gemmes, on devrait pouvoir aller dans la statue. Alors sur la statue, ça c'est pour brûler les arbres. J'ai un petit doute là-dessus. Serve tout ça. Mettons à finir les levels. Bon, mais il semble qu'ici on n'ait pas de grand chose de plus. Zone secrète à l'horizon. Ouais, donc ça veut dire que il manque encore 2 zones pour pouvoir tout explorer de son temps comble. C'est pas là non plus. N'est jamais à la gauche, non? Mais lui n'est pas l'important, donc on devrait pas être... si loin que ça, de ces plantes. Mais on connaît pas ici. Passage secret non plus, sinon ça se serait vu. Qui a une signification à tout cela? Faire le tour ne fait rien. Mais tous les monstres ne fait rien non plus. En dessous, on est tout là-haut. Après on récupère les pierres ici. Oh. Plus la pierre, c'est un peu d'accident que j'avais trouvé ça.
Et là, ici, on trouve les... Donc, on trouve les gemmes rouges. Là, j'assume que c'est juste pour les... À moins que c'est une utilité sur la statue. Ouais, c'est possible. Ah non, d'accord, ils indiqueraient les... J'ai pas vu les... Ok. Logique.